Bonjour chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube officielle Sauvelmash. Je suis Alexandre Soudariev et dans cette vidéo, nous allons parler des travaux qui sont en cours dans le BTEI. À présent, nous sommes dans le bâtiment administratif et technique, où des travaux de finition sont en cours. Par exemple, dans cette pièce-là, vous pouvez déjà voir des cloisons antérieures en verre qui ont été installées. Il y a également d'autres cloisons avec des éléments en bois. Cela est magnifique car nous commençons déjà à voir un aspect fini de la décoration. Personnellement, j'aime beaucoup ce que je vois. Parallèlement, les travaux d'installation des cadres de portes se poursuivent et ensuite les ouvriers vont installer les portes en elles-mêmes. En outre, vous voyez que le système de ventilation devient de plus en plus important. Sous le plafond, les tuyaux rectangulaires ont déjà été installés. Si nous allons dans les toilettes, nous pourrons y voir des sections et des zones spéciales qui ont été conçues afin d'installer tous ces réseaux de viabilisation. À noter que la plupart de ces travaux ont également déjà été effectués. En outre, des travaux sont en cours pour l'aménagement des toilettes dans le bâtiment administratif et technique. Le carrelage, les éviers, les cuvettes et tout ce qui est nécessaire pour lancer le fonctionnement de ces locaux ont déjà été sélectionnés. Maintenant, nous nous sommes déplacés dans notre galerie principale où se trouve l'entreposage temporaire de matériel nécessaire pour l'installation des réseaux de viabilisation qui diminuent de jour en jour. Cela prouve ce que je dis concernant l'exécution des travaux. Nous voyons un assez grand nombre de tuyaux de sections rectangulaires. À noter que l'entreposage diminue, mais un nouveau type de matériel a été ajouté. Et surtout, en plus des communications elles-mêmes, nous pouvons déjà observer des éléments de système de viabilisation, par exemple ces moteurs assez puissants et volumineux. Tout cela sera installé et j'espère que bientôt, nous pourrons commencer à nous occuper des installations climatiques. En fait, j'ai quelque chose d'autre à vous montrer en parlant de l'équipement climatique, mais nous le ferons quand nous irons dehors. Nous voyons que le nombre de matériaux de finition, carrelage, colle, plâtre adhésif, etc., augmente également. Et cela nous prouve une fois de plus que le rythme des travaux de finition ne fera qu'augmenter. En outre, nous pouvons voir l'équipement laser qui nous a été livré de Chine. Nous vous l'avons montré dans son emballage, maintenant nous l'avons recouvert d'un film avant de commencer son installation. Je suppose que cet équipement ait déjà été mis en place, mais il sera probablement un peu déplacé, car il y aura des zones spéciales pour le stockage des métaux, mais aussi des étagères spéciales pour le métal et des déchets. En fait, tout cet espace peut être occupé par des complexes lasers similaires. Idéalement, si nous les installons à raison de deux dans une rangée, nous serons en mesure d'augmenter considérablement nos capacités de production pour la fabrication de petits lots de moteurs de test. C'est parfait, félicitations chers amis. Maintenant, nous nous sommes déplacés dans la chaufferie. Nous pouvons déjà voir que les travaux sont presque terminés à cet endroit. Nous voyons que tous les tuyaux ont été installés, recouverts de matériel spécial et raccordés, et que tout ce système a déjà été mis sous pression. Cependant, nous voyons que le calorifugage des tuyaux a été effectué. C'est une sorte de manteau isolant. Les armoires d'automatisation ont été installées et d'autres travaux se poursuivent. Différents capteurs sont installés partout dans cette salle. Ensuite, il faudra les connecter à un système de contrôle unique. Et bien sûr, les ouvriers installeront de grands coussets là-bas et effectueront le câblage de ce réseau dans tout le bâtiment du BTEI. Eh bien, à présent, nous pouvons dire que le bâtiment administratif et technique passe à une nouvelle étape. Nous sommes maintenant au deuxième étage de ce bâtiment et nous pouvons voir que la chape d'égalisation du sol a été partiellement effectuée.
Plus loin, derrière mon dos, vous voyez que la chape est effectuée sur le reste du sol sous lequel le système de chauffage et les communications nécessaires ont déjà été installées. Nous voyons également que le réseau de ventilation est presque entièrement installé. Cela signifie que les conditions pour la commodité et le confort des employés qui travailleront ici sont déjà créées. Maintenant, nos caméramans vont vous montrer plus d'images sur la façon dont ces travaux sont effectués. Maintenant, nous nous sommes déplacés à l'entrée principale du terrain qui est unique pour le moment. Vous allez immédiatement remarquer que la zone de l'ancienne cité du chantier a été complètement nettoyée. À présent, il n'y reste que quelques structures métalliques qui seront également retirées. Nous voyons que la clôture provisoire a déjà été complètement démontée. Les dalles de béton et les structures métalliques ont été retirées. Et maintenant, la préparation à l'installation de la clôture permanente est en cours dans cette zone-là. De ce côté-là, nous pouvons voir que l'installation de la clôture permanente a déjà commencé et que les points de repère ont été marqués. Cependant, le travail se poursuit au rythme qui n'est pas tout à fait celui que nous aimerions voir. Mais la météo fait ses ajustements. Par conséquent, je pense que malgré les intempéries, dans un proche avenir, nous allons accélérer les travaux et la clôture sera déjà installée sur tout le périmètre du site. À présent, nous allons vous montrer des images supplémentaires parce qu'en fait, je n'ai pas mentionné un moment très important. Tout d'abord, bien sûr, vous voyez que l'installation de la bordure en pierre se poursuit. Mais le plus important est que les ouvriers se préparent déjà à remblayer notre fameuse percée technique qui a été effectuée précédemment pour ensuite remettre le terrain dégradé en état. Maintenant, en raison des conditions météorologiques, nous avons dû commencer à pomper l'eau de cette fosse car il s'agit des égouts pluviaux et par conséquent, quand toute l'eau vient au dernier point de notre percée. Mais toutes les mesures nécessaires ont déjà été prises, donc dans un proche avenir, nous allons remettre complètement ce terrain en état. Ensuite, nous nous sommes déplacés au point de connexion de l'approvisionnement en eau froide. Ici, les ouvriers ont effectué des travaux très importants, mais nous avons dû faire une pause en raison du fait que la société de conception qui ne travaille plus sur notre chantier a fait une erreur. Lors des travaux, les ouvriers ont trouvé des réseaux de viabilisation qui n'auraient pas dû y être installés selon le plan initial. Par conséquent, une grande réunion a été tenue, toutes les mesures nécessaires ont été prises, un plan a été préparé pour contourner ces communications. Les matériaux nécessaires à cette fin ont été commandés et à présent nous attendons leur livraison sur le chantier. Dès qu'ils arrivent, les ouvriers pourront continuer à travailler et passeront déjà à la remise en état du terrain dégradé. Maintenant, nous nous trouvons à l'arrière du bâtiment et regardons la plateforme de l'équipement climatique. De gros véhicules de chantier y fonctionnent également. Il y aura donc du bruit, je m'en excuse. Qu'est-ce qui a été fait? Dans nos dernières vidéos, nous avons vu la ligne principale du liquide de refroidissement, à savoir de l'éthylène glycol. Ce tuyau a été entièrement installé, imperméabilisé et remblayé, et maintenant de gros véhicules de chantier peuvent déjà se déplacer par là. Parallèlement, l'aménagement de la plateforme pour la livraison de l'asphalte est en cours.
Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises, mais maintenant il s'agit de la phase finale. Nous voyons également que les ouvriers ont déjà installé la bordure en pierre et le coffrage pour continuer à la coller de béton. Cependant, ce qui me plaît le plus et m'inspire, c'est qu'une grande réunion sur les travaux de construction a été tenue, où le plan de travail pour le lendemain a été établi. Selon ce plan, les ouvriers devraient commencer la pose de l'asphalte. Par conséquent, malgré le temps qu'il fait et qui a déjà apporté de sérieux ajustements à la vitesse des travaux, j'espère vraiment que très bientôt nous pourrons poser de l'asphalte à droite du bâtiment. J'espère pouvoir vous en féliciter dans notre prochaine vidéo. Nous nous sommes déplacés dans une partie moins bruyante de notre site et ici probablement nous allons résumer cette vidéo. Cependant, en fait, tout est très simple. Il y a beaucoup de travail, les tâches sont accomplies, nous allons à l'objectif prévu, même si la météo ne nous plaît pas et fait ses propres ajustements. Mais nous devons avouer que même si l'hiver est proche, néanmoins cette année il semble commencer assez tard. Par conséquent, beaucoup de ce que nous devions faire, nous l'avons déjà effectué. Mais évidemment, il reste encore des choses à faire. J'espère vraiment que grâce à nos efforts communs, nous pourrons terminer le travail sur l'aménagement du terrain avant l'hiver, pour nous engager complètement dans les travaux à l'intérieur du bâtiment et continuer à les effectuer là-bas. Merci pour votre attention, merci pour votre soutien et pour votre participation. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux et restez au courant de tout ce qui se passe dans la vie du projet Sauvelmash. À bientôt.